C'est quoi ce bordel? Bienvenue dans cette location de studio sur mesure pour faire vous-même les chroniques faites maison comme si vous y étiez. Mais la porte avait dit que c'était... Pour enregistrer une chronique, veuillez insérer le montant affiché sous la caméra dans la fente prévue à cet effet. Merci. Veuillez regarder l'objectif. La chronique va commencer dans 3, 2, 1. Critiquons. Moquons-nous, des riches, des puissants, des cons et malbaisants, mais n'oublions jamais que la haine aveugle n'est pas sourde. Merde, c'est à moi. Bonjour à tous. De tous les modèles économiques qui eurent lieu d'exister dans la tête des malades qui les produisirent, celui de la gratuité m'a toujours intrigué. Rendre tout ou presque gratuit admet notamment un avantage en permettant à des inutiles comme moi de vous abreuver de nos états d'âme et de nos expertises sans que jamais vous, chers observateurs, n'ayez à débourser le moindre centime. Mais est-ce seulement vrai? Si vous parvenez à voir cette vidéo, c'est qu'à un moment ou à un autre, vous avez dû payer le droit d'accéder à Internet. Que ce soit chez un ami, dans un cybercafé ou tout simplement dans la chaleur réconfortante de votre modeste logis, vous vous êtes acquitté d'une sorte de douane pour parvenir à ce contenu, qui lui, bizarrement, est totalement gracieux. Et encore heureux, si je commençais à faire raquer la dizaine de personnes qui suivent mes élucubrations en ligne, je ne donnerais pas cher de leur loyauté à mon endroit. Pourtant, la chronique dépasse la durée standard de 2 minutes. Veuillez insérer des crédits supplémentaires. Si je fixais un prix quelconque, disons d'un euro la chronique, ne seriez-vous pas plus à même d'en apprécier la substantifique moelle maintenant que vous y versez quelques menus deniers? Avec le temps, si je mettais en place un tel système, je pourrais vous proposer à vous, les souscripteurs de cette chaîne Stantube intégralement payante, le bonheur de profiter de bonus qui n'en sont pas. À savoir les rebuts de ces chroniques, aussi appelées rush ou bêtisiers, qui finalement ne sont que les malus d'une création, puisqu'écartés du produit final. Bêtisier première. Stantube. Je pourrais vous proposer à vous, les souscripteurs de cette première chienne Stantube. Chienne Stantube. À défaut de l'être pour les ratines. Merde. Les ratines. Sonnez les ratines. De plus en plus fort, grâce à cette entrée d'argent, je pourrais améliorer l'image en achetant du matériel digne de ce nom, rallonger les épisodes, ou encore me payer le luxe de travailler avec un réalisateur. Bref, bonifier ma production et légitimer une hausse de prix. Ou mieux, je pourrais vous faire croire que je le fais et quand même augmenter ce que ça vous coûte. Alors chérie, tu montes? Oui, c'est combien? Alors c'est 1 euro le billet, 10 euros l'édito, et pour 50, je te chronique toute la nuit mon loup. Mais non, je préfère être honnête et gratuit, du moins prétendument, plutôt que d'essayer de vous plaire à tout prix. Enfin, je pourrais changer d'avis suivant le nombre de zéros que contiendrait un chèque éventuel. J'attends d'ailleurs vos propositions indécentes dans les commentaires. Alors pourquoi donc le gratuit est-il si souvent synonyme de risque ou de doute?
En effet, nous sommes des millions, voire des milliards, à rechercher envers et contre tout le prix le moins dispendieux pour satisfaire notre désir sans cesse inassouvi de consommation. Et paradoxalement, nous considérons que plus le prix d'un article est élevé, meilleure sera sa qualité. Or, c'est faux. Non ! Si ! Le prix d'un artefact n'est pas du tout en rapport avec la classe de gamme dans laquelle il se situe, mais traduit uniquement la quantité de couillons virtuels qui sont prêts à l'acheter. Bien entendu, nous ne crachons pas sur les échantillons gratuits déversés par Quinto dans toutes les bonnes parfumeries, et qui permettraient à n'importe quel sans-demeure de se rendre agréable aux narines, à défaut de l'être pour les rétines. Mais que l'on ose nous proposer un produit gratis, et la méfiance est de mise. Câlin gratuit, qui veut un câlin gratuit ? Vous me direz, ça dépend de ce qui est offert. Un journal édité avec les pieds imprimés sur papier de chiottes et distribué à la sortie des métros par des étudiants plus moches que pauvres ne semble pas effrayer le chaland. A tel point que ces immondices ont remplacé la presse classique en inondant de leurs ragots scabreux et de leurs informations non vérifiées la foule des imbéciles qui n'ont pas les moyens de circuler en voiture. Peut-être pourrions-nous envisager d'autres marchandises à répandre au gré des heures de pointe. Bonjour monsieur. Merci. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Les spectateurs avertis que vous êtes ne manqueront pas de s'esbaudir de mes propos. Pour quelqu'un qui souhaite nous vendre une économie basée sur l'absence de prix, ce pauvre diable s'y prend bien mal. Et finalement, quelle différence y a-t-il entre le torchon que l'on me tend au seuil du tubulaire charriant la viande à usine et la performance numérique incroyable et pleine de sens qui se déroule devant mes yeux ébahis ? Eh bien, je vais vous le dire. Au contraire de tous ces pourvoyeurs de canards boiteux, je ne vends pas gratuitement, je donne à réfléchir. Et surtout, en ce qui me concerne, mais ça n'enrage que moi, je ne me fais pas de l'argent en offrant mon contenu à toutes les bandes passantes. La chronique dépasse la durée standard de 5 minutes. Veuillez insérer des crédits supplémentaires. Allez, abonnez lecteurs, salut!